She's a Mona Lisa. Everyone's not... Bonjour, vous êtes formateur? Et comme moi, vous avez connu ceci. Nous sommes des digital migrants. Par contre, nos apprenants sont devenus des digital natifs. There must be something that features. You found a... La pédagogie transmissive est has-been. Hashtag pédagogie active. Digital signifie en français qui se rapporte au doigt. Mais en anglais, cela limite la communication aux digits 0 et 1. La technologie a fait le reste et a mis le monde à portée de nos téléphones portables. L'espace et le temps sont abolis. Anywhere, anytime. L'accès à l'information n'est plus limité que par nos choix. Cet espace virtuel éloigne physiquement, mais il rapproche idéologiquement. Ce n'est plus le hasard ou la nécessité qui nous met en relation, mais nos choix. La formation sera portée par l'émotion, dégagée par l'image, produite et adaptée par les outils auteurs. L'attention de l'apprenant sera portée par l'émotion, sa motivation aussi, par le gaming, le chat, les trophées, etc. La communauté des pairs sera nourrie par cette émotion et la révélera. Voici un nouveau paradigme de la formation distancielle où l'apprenant devient éco-formateur. Cette approche horizontale met à niveau les compétences de chacun et les offre au partage. Il y a bien d'autres leviers pour ancrer la mémorisation, la granularisation, la répétition, la mise en situation, etc. Mais je souhaitais ici mettre l'humain au cœur du problème pour qu'il réalise son évolution. La simplicité demande du temps. Digital Learning le prend pour vous. À bientôt.